Bonjour les critiques, aujourd'hui je reviens vous parler d'une BD jeunesse que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit de Raoul, donc là c'est le premier livre, La Belle et l'Affreux, et on a tout juste le deuxième tome qui vient de sortir également. Donc c'est fait par Thébault, c'est aux éditions Dupuis, et c'est une BD qui est super drôle. En fait, on va suivre cette petite créature là, Raoul, qui en fait c'est un prince, cette petite personne est un prince, il aime sauver des princesses. Donc il va voir les princesses, il leur demande si elles ont besoin d'être sauvées, mais elles ont absolument pas besoin de lui. Elles se débrouillent très bien toutes seules, et si elles avaient besoin d'un prince, elles aimeraient qu'il soit blond et qu'il soit très beau et qu'il ait une épée, qu'il soit courageux. Sauf que Raoul c'est pas du tout ça, lui... Ils sont un peu mauvais de la bouche, il a des poils, il est pas très beau, bon voilà. Et lui ce qu'il a envie c'est d'être embrassé par de belles princesses. Donc voilà, on va suivre un petit peu son parcours, ses aventures un peu loufoques, un peu absurdes. Et donc voilà, c'est très très drôle. Moi je vous recommande ça vraiment si vous voulez rire et passer un bon moment. En plus ça défait un petit peu tous les clichés autour de le prince, la princesse, les belles, voilà, les beaux chevaliers, etc. Ce petit chevalier là, il est excellent, voilà. Donc je vous conseille Raoul, par Thébault chez Dupuis. Voilà, bonne journée les critiques.